Bonjour. Donc, comme Madame Hugues l'a mentionné, effectivement, je travaille à l'INSEP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est l'INSEP. INSEP, c'est Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Voilà. Alors, l'INSEP, c'est un endroit qui est extraordinaire parce qu'il se situe dans la verdure, à quelques kilomètres de Paris. L'INSEP, c'est un campus qui accueille les sportifs français de très haut niveau qui y vivent et qui s'y entraînent. Et pourquoi ils s'entraînent? Pour préparer des grandes échéances sportives telles que les championnats d'Europe, les World Cup, les championnats du monde ou les Jeux olympiques, et notamment les Jeux olympiques plus les Jeux olympiques d'été. Et donc l'INSEP, c'est donc un campus où ces sportifs ils s'entraînent, où l'INSEP leur offre les meilleures conditions d'entraînement possibles, comme en témoignent les images que vous avez donc sur l'écran. Les sites d'entraînement du tir à l'arc, du basketball, du tennis de table, lutte, badminton, escrime, athlétisme, natation, gymnastique. À ces sites d'entraînement qui sont extraordinaires, se greffent un certain nombre de salles de musculation qui sont à la disposition des athlètes. De la même manière, il y a des sites qui sont dédiés à la récupération. Vous voyez la récupération par les bains chauds, froids, la cryothérapie. Également, l'INSEP dispose d'un centre de santé médicale, dispose de services de masso-kinésithérapie, de services de réathlétisation. Et comme ces sportifs en fait vivent sur l'INSEP, nous avons des hébergements, un service de restauration et également des salles de cours où des formations sont dispensées, des formations du secondaire et des formations post-bac. Parce que l'INSEP a le privilège de promouvoir le double projet, c'est-à-dire le projet sportif lié très fortement avec le projet professionnel. Et au sein de ce campus, eh bien, vous trouvez un laboratoire de recherche, le laboratoire CEP, auquel j'appartiens. Et CEP signifie sport, expertise et performance. Et donc, je travaille donc dans ce laboratoire pour optimiser la performance de ces sportifs de haut niveau. Optimisation de la performance. Et ceci en se basant sur des connaissances scientifiques avérées qui sont issues du domaine des neurosciences. Et mon travail s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est la perception visuelle, consciente mais également inconsciente. Et le second axe, c'est la blessure. Le retour de blessure et comment optimiser ce retour. Et donc, c'est donc ce que je vais évoquer dans le cadre de cette conférence aujourd'hui. Avant de débuter, donc, je tenais également à remercier Madame Sabine Hugues qui m'a invitée ici ce soir parmi vous, et également les sportifs avec lesquels je travaille, sportifs dans toutes les disciplines, parce que ce sont des personnes extraordinaires, je veux dire, et s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas aujourd'hui, ce soir, ici avec vous pour vous faire partager mon expertise. Voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu le contexte. Le contexte qui a fait que j'ai mis en place, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, au sein de l'INSEP, une nouvelle approche pour optimiser le retour de blessures, pour optimiser le retour sur les terrains de sport des sportifs de haut niveau qui sont blessés. Cette approche, elle se base sur des connaissances scientifiques qui sont avérées et elle se base sur la simulation motrice. Le plus de cette approche, c'est qu'elle est très complémentaire avec les services qui sont déjà proposés à l'INSEP, à savoir la rééducation, la réathlétisation, que ce soit à sec ou en milieu aquatique. Vous verrez dans les diapositives suivantes pourquoi elle est complémentaire. Et avec cette approche et les services qui sont proposés par l'INSEP, on appréhende le sportif tout en entier dans son individualité et avec sa singularité.
Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la simulation motrice. En fait, ce que je vais vous expliquer, vous le savez déjà, parce que tout autant que vous êtes, je suis sûre que vous avez expérimenté cette simulation motrice, que vous soyez sportif ou non sportif. Regardez. Voilà. Que fait cette jeune fille? Eh bien, cette jeune fille, elle forme dans sa tête une image du geste qu'elle va réaliser ou qu'elle a déjà réalisé. C'est-à-dire qu'elle fabrique une image mentale de ce geste. On parle d'action imagée ou imaginée. Ici, que fait cette jeune fille? Eh bien, cette jeune fille, elle se récite mentalement sa routine. Elle peut le faire silencieusement ou à voix basse. Et dans le cas présent, elle récite des mots-clés, des mots importants, qui sont importants pour la réalisation de son mouvement. Et en l'occurrence, ici, c'est bras tendus, épaules basses. On parlera donc, dans ce cas-là, d'action verbalisée. Et ici, qu'est-ce qu'elle fait? Un petit indice, vous voyez, il y a un écran. Donc, cette jeune fille observe le geste qu'elle a réalisé auparavant, ou alors elle observe un geste que ses partenaires d'entraînement effectuent. Et dans ce cas-ci, on va parler d'action observée. Et lorsqu'un individu fabrique dans sa tête une image d'un geste, lorsqu'il verbalise ce geste, cette routine, et lorsqu'il observe ce geste, réalisé par lui-même ou réalisé par un de partenaires d'entraînement, on dit que l'athlète est engagé dans un processus de simulation motrice. Je vous ai dit que l'approche que j'ai mise en place s'est basée sur des connaissances scientifiques avérées et je me suis basée sur la théorie de Jeanne Rhode, de Marc Jeanne Rhode, qui est un neurophysiologiste lyonnais et qui a été un des premiers à parler de la simulation motrice quand des individus imaginaient une action ou observaient cette action. Il a dit que quand on imagine une action ou quand on l'observe, il dit qu'il y a le système moteur qui est mis en jeu. Système moteur mis en jeu, ça veut dire que dans le cerveau de l'individu, il y a des zones corticales motrices qui sont activées. De la même manière, il dit qu'une action exécutée se compose de deux parties. Une partie observable, regardez-moi, je saisis la bouteille, vous observez, vous la voyez, cette action. Et avant de voir cette action, il a ce qu'on appelle une partie qui est non directement observable. Qu'est-ce qu'il entend par non directement observable? Pour lui, c'est une représentation du futur. C'est-à-dire que la partie non directement observable, elle se compose de trois parties qu'on ne voit pas. Le but de l'action. Le but de l'action, je saisis la bouteille. Deuxième facteur, les moyens qui sont mis en place pour réaliser cette action de saisie. Et enfin, troisième facteur, les conséquences sensorielles de la réalisation de cette action sur l'organisme, c'est-à-dire sur moi-même qui saisis la bouteille, et sur l'environnement. Donc, deux parties, une partie observable, une partie que l'on ne peut observer. Et Jeanne Rhode dit que ces deux parties se situent sur un continuum qui va de l'intention à l'exécution motrice. Chose importante pour la suite, pour expliquer les fondements de l'approche que je propose, il dit que l'action soit réelle, c'est-à-dire que l'action soit exécutée, ou qu'elle soit simulée, c'est-à-dire imaginée ou observée. Ce type d'action sont forcément précédées par une représentation des conséquences sensorielles. Alors en fait, une action simulée, c'est une action, sauf que mais elle n'est pas exécutée. Une action, lorsque l'individu est engagé dans de la simulation motrice, quand il imagine une action ou quand il l'observe,
à ce moment-là, il y a un mécanisme d'inhibition qui est mis en jeu et qui empêche la sortie motrice. Empêcher la sortie motrice, empêcher l'initiation de la réalisation de l'action. Pourquoi on s'appuie sur des connaissances scientifiques ? Parce que ça, vous me dites, je suis sûre que parmi vous, vous avez tous fait de la simulation motrice. Pourquoi ? Parce qu'on estime, et notamment Cale et Hall, en 2000, que sans une connaissance théorique des mécanismes qui sous-tendent tel ou tel processus, les raisons pour lesquelles telle ou telle intervention sportive réussit ou échoue ne seront jamais parfaitement comprises. Sur quelles connaissances exactement je me suis appuyée ? Je me suis appuyée sur deux types de connaissances. Le premier type de connaissance est l'équivalence neuronale entre une action exécutée et une action simulée. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme l'a évoqué Madame Hugues, ça signifie que lorsque l'individu exécute réellement une action, et lorsque l'individu simule une action, c'est-à-dire dans le cas précis, lorsqu'il imagine une action ou lorsqu'il observe une action, il y a des zones communes dans le cerveau de l'individu qui sont activées. Les zones qui sont activées sont représentées ici par les cercles noirs, et nous trouvons donc l'aire motrice supplémentaire et le cortex prémoteur, qui sont des zones motrices. Nous retrouvons le cortex préfrontal et nous retrouvons le cortex pariétal, que ce soit dans sa partie inférieure ou supérieure. Ça veut donc dire que, grosso modo, une action exécutée versus une action simulée partage des zones communes. Comment ça se passe plus précisément ? Au niveau moteur, le cortex prémoteur, il va recevoir des informations du cortex pariétal, mais également du cortex préfrontal. Le cortex pariétal, c'est dans cette partie du cerveau que l'intégration multisensorielle, elle se passe, elle se déroule. Et cette intégration multisensorielle est importante parce qu'elle va permettre la planification et le contrôle de l'action. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration multisensorielle ? C'est-à-dire, c'est un processus qui va regrouper, qui va transformer des informations visuelles, auditives, somatosensorielles en un code commun et qui va envoyer cette information, ce code commun, au niveau du cortex prémoteur. Au niveau du cortex préfrontal, il y a des informations aussi qui vont aller en direction du cortex prémoteur et ce sont des informations qui sont plus en lien avec la motivation et l'intention du sujet. Donc ces deux informations, deux types d'informations qui proviennent d'une part du cortex pariétal et d'autre part du cortex préfrontal, va permettre au cortex prémoteur de sélectionner les séquences motrices ou les gestes moteurs les plus adéquats en regard du contexte. Voilà. Et ceci, ça a été mis en évidence par un groupe de chercheurs français de City et Grèze, il y a environ 19 ans. De la même manière, on observe une équivalence neuronale ou une équivalence fonctionnelle entre une action exécutée et une action simulée, et plus particulièrement une action verbalisée. Vous vous souvenez, c'est la personne qui récite sa routine, silencieusement ou non. Et ceci, de la même manière, quand on exécute une action, comme par exemple cette jeune sportive, et quand on la verbalise, quand on récite, eh bien, il y a des zones communes, des zones motrices qui sont activées. Et ceci a été démontré par cet auteur. Et on remarquera que cette équivalence neuronale entre action exécutée et action verbalisée, les travaux sont beaucoup plus récents. Ils ont à peine une dizaine d'années. Perrin, en 2010, a été un petit peu encore plus loin. C'est-à-dire que lorsque l'on réalise une action mimée... Ah, qu'est-ce que c'est qu'une action mimée ?
je pense que vous le savez, je l'illustre. Vous voyez, cette jeune nageuse en natation artistique, elle mime le geste, la séquence aquatique qu'elle va réaliser ultérieurement dans l'eau. Et là, on s'aperçoit que la simulation, que le mime, est effectuée uniquement par la partie haute du corps. Donc, je reviens sur l'étude de Perrin et Hall qui ont montré que lorsque l'on mime une action, vous voyez, vous la reconnaissez, cette jeune fille, quand on élabore une représentation de cette action dans sa tête et quand on la verbalise, eh bien, il y a des zones communes de notre cerveau qui sont activées. Et c'est très intéressant parce que c'est toujours les zones motrices et les zones du cortex pariétal, c'est-à-dire les zones somatosensorielles. Nous avons des zones supplémentaires qui sont activées, une zone qui est à la croisée du cortex temporal et du cervelet. Nous avons le fusiforme qui est une zone visuelle. Nous avons aussi une petite partie du cervelet qui est activée. Et nous avons aussi ici l'operculum frontal qui est une zone qui permet à l'individu de s'engager dans une action, de décider de se désengager de cette action. Voilà. Ça veut donc dire tout ceci pour dire que lorsqu'un individu est engagé dans une simulation motrice et lorsqu'il l'exécute, on a des zones corticales communes qui sont activées. D'où l'enjeu que cela peut représenter. On va le voir ultérieurement. Nous allons maintenant voir le deuxième champ sur lequel je me suis appuyée pour élaborer cette théorie. Le deuxième champ, c'est l'impact des entrées sensorielles sur l'individu et plus particulièrement la plasticité corticale. Avant de parler de ce champ, je vais faire une petite mise au point sur ce que l'on entend par entrée sensorielle. Entrée sensorielle, je vais considérer deux types d'entrées qui sont majeures, qui sont principales, à savoir la proprioception et le sens du toucher. La proprioception, c'est la capacité qu'a un individu de se repérer dans l'espace via son corps et de repérer chaque segment corporel par rapport aux autres segments de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, son corps, c'est un repère qui est pris quand il évolue dans l'espace. Dans le domaine du sport, on utilise beaucoup cette proprioception, et notamment en plongeon, en trampoline, quand on fait des figures acrobatiques. Alors là, ça ne va peut-être pas trop vous parler, mais tout à l'heure, vous allez voir des vidéos où les sportifs exécutent tout un tas de figures, des saltos, c'est-à-dire des galipettes sans les mains, et puis des rotations transversales, c'est-à-dire des trucs en tire-bouchon. Ils font ça dans l'espace. Et évidemment, quand on fait ça, il faut se repérer dans l'espace, parce que si on ne se repère pas, on va à la catastrophe. Donc, un des points de repère que l'on prend, c'est souvent les repères visuels. Mais même si le système visuel est très performant, il possède néanmoins certaines imperfections. C'est-à-dire que quand ça va un petit peu trop vite, eh bien, on ne peut plus prendre d'informations visuelles. Et quelle est la modalité qui va prendre le relais? Eh bien, c'est la proprioception. Le sens du toucher ou sens haptique, comme vous le voyez, c'est souvent réalisé avec la main et un objet. C'est-à-dire que la main, elle va explorer l'objet pour essayer de déterminer sa consistance, son poids, sa texture. Et donc, en manipulant cet objet, c'est ce qu'on appelle le sens du toucher. Dans le domaine sportif, on a ce sens du toucher, comme par exemple, dans le domaine sportif, ce sens du toucher, il est prépondérant. Dans tous les sports qui impliquent des objets, comme le tennis avec la raquette, le tennis de table également avec la raquette, l'escrime avec l'arme dont se sert l'athlète, la GRS, là, comme vous voyez, avec les engins, les massues, ou par exemple le judoka, quand il doit faire un kumikata, c'est-à-dire en début de combat, il doit saisir
le kimono de son adversaire. Donc quand il saisit, il a un contact avec le kimono. Et vous voyez, donc c'est l'essence du toucher est très prépondérant. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que les entrées sensorielles, je vais vous expliquer le champ théorique sur lequel je me suis basée. Ce champ théorique fait référence à la plasticité corticale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau, vous savez, le cerveau, c'est un petit peu ce qui nous gouverne, c'est le siège de plein de fonctions, c'est le siège notamment des pensées, du raisonnement, des intégrations multisensorielles, c'est le siège de l'apprentissage, le siège de la mémoire, le siège où les émotions sont générées, c'est également le siège lorsque l'on contrôle de manière consciente ou inconsciente des comportements. Et ce cerveau, le cerveau, c'est un système qui présente une propriété très importante, c'est-à-dire qu'il est capable de reconfigurer les réseaux neuronaux. Qu'est-ce que c'est que les réseaux neuronaux ? Donc, vous le savez sûrement, le cerveau, il est composé d'un certain nombre de cellules, et les cellules du cerveau, ça s'appelle les neurones. Là, donc, vous voyez un neurone avec le corps cellulaire, vous voyez l'axone, les dendrites, et vous voyez que ce neurone, il est connecté à un deuxième neurone. Voilà. Et donc, le cerveau, il a la possibilité de reconfigurer ses réseaux, c'est-à-dire soit de créer de nouveaux réseaux, soit de défaire des réseaux, de supprimer des réseaux neuronaux. Il est capable de créer de nouveaux réseaux, comme là vous pouvez le voir sur cette diapositive. Il crée de nouveaux réseaux parce qu'il est soumis à des contraintes. Par exemple, dans le cas de l'apprentissage, que ce soit un apprentissage moteur ou un apprentissage cognitif, c'est une contrainte extérieure. Le cerveau est soumis à cette contrainte et avant l'apprentissage, on a, alors de manière très schématique, parce que des cellules, des neurones, il y en a 10 à la puissance 11, donc c'est des milliards et des milliards. Donc là, de manière très schématique, on voit qu'un neurone est connecté à un autre neurone et donc l'information passe d'un neurone à un autre neurone. Après l'apprentissage, le cerveau, il a été soumis à une contrainte et il va créer un nouveau réseau. Regardez, là, c'est le réseau initial et ici, c'est le nouveau réseau qui a été créé parce qu'il a appris quelque chose. Donc, le cerveau recrée de nouveaux réseaux neuronaux. Par contre, quand l'individu est soumis à ce qu'on appelle de la déprivation sensorielle, c'est-à-dire quand il ne ressent plus les sensations, eh bien, le cerveau va détruire, défaire des réseaux neuronaux, faire disparaître des réseaux neuronaux. Donc, je vais vous le montrer. On prend le même schéma, sauf, vous imaginez, ben là, vous voyez, vous allez pas faire une action imagée, mais vous allez quand même néanmoins imaginer que je supprime l'étiquette avant apprentissage, après apprentissage. Et donc, voilà, à un moment T, l'individu sain, il a ses systèmes, ses connexions neuronales, une ici et une là. On imagine que l'individu se blesse et à ce moment-là, l'individu est immobilisé sur un laps de temps plus ou moins long. Donc il ne perçoit plus de sensations dans la partie qui est immobilisée. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cet réseau neuronal, cette connexion neuronale, elle va disparaître. Quand un individu est privé de sensations, les réseaux neuronaux disparaissent. C'est ce qu'on appelle la plasticité corticale. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ceci, il y a une neurophysiologiste, le docteur Boschba, qui a montré l'importance des sensations périphériques ou entrées sensorielles dans la mise à jour et l'accès aux représentations motrices. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais illustrer très simplement. On va prendre un sportif à un moment,
à un moment T, qui doit réaliser un geste sportif que j'appellerais geste sportif A. Il réalise ce geste sportif et en réalisant ce geste sportif, il ressent un certain nombre de sensations pendant la réalisation de ce geste sportif. Il ressent ces sensations. Une fois qu'il a réalisé ce geste sportif, ce geste sportif, il va être encodé dans le cerveau de l'individu sous la forme d'une représentation motrice. Représentation motrice ou souvenir du geste dans le cerveau, où on appelle ça trace mnésique. Moi, dans le cadre de la conférence, j'appellerais ça représentation motrice. Donc, à un temps T, il fait un geste A qui est encodé par une représentation motrice. Ce sportif, il va s'entraîner. Il va s'entraîner, il va répéter ce geste A. Et à un temps T plus 1, le temps, le laps de temps, c'est comme vous le souhaitez, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Et au temps T plus 1, les observateurs, on verra que le geste s'est amélioré, le geste est plus fluide, le sportif est plus à l'aise quand il réalise ce geste. Comme il a réalisé, il y a eu des sensations périphériques. Et donc, ces sensations périphériques vont permettre de coder ce geste A au temps T plus 1. Donc, nouveau codage. Et donc, ça veut dire qu'il va mettre à jour la représentation motrice à un temps T. Il va écraser cette représentation motrice à un temps T. Elle va être remplacée par la représentation motrice du geste A à un temps T plus 1. J'espère que c'est clair ce que je vous ai expliqué. Et Bosbach dit qu'un individu qui est privé de sensations périphériques ne peut plus accéder à la représentation motrice d'une action qui a été codé dans son cerveau, et qu'en plus, il ne peut pas la mettre à jour. S'il n'y accède pas, je ne vois pas comment il peut la mettre à jour. Et il ajoute donc que si cette déprivation sensorielle, c'est-à-dire ce manque de sensations périphériques, est momentané ou plus définitif, et s'il est définitif, il dit que cette représentation motrice, elle va disparaître et s'estomper. Alors, dans le milieu du sport, malheureusement, le sportif est parfois blessé. Quand il est blessé, il ne peut plus s'entraîner. Donc, il ne reçoit plus les sensations périphériques. Donc, si je me réfère au résultat de Bosbach, s'il n'y a plus de sensations périphériques, ces représentations motrices, elles vont être dégradées. Et s'il est immobilisé pendant 3, 4, voire, comme cela arrive, 6, 8 mois ou un an et demi, si je me réfère à Bosbach, eh bien, cette représentation motrice, elle va disparaître. Elle n'existera plus. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas parce que les sportifs de haut niveau, ce sont des experts. Ce sont des gens qui s'entraînent, qui ont à leur compteur environ 10 000 heures d'entraînement, qui s'entraînent depuis plus de 10 ans et qui ont commencé la pratique d'un sport ou d'une discipline sportive quand ils sont tout petits, à 4 ou 5 ans. Donc, même s'ils sont blessés sur une période longue qui peut aller de 6 mois à 1 an, ces représentations motrices, elles ne disparaîtront pas. Elles seront juste dégradées. Ben pourquoi ? Parce qu'il a tellement répété les gestes que les gestes dans le cerveau sont codés de manière très solide. On peut savoir que ces représentations motrices sont dégradées parce que le sportif dit « Je n'arrive plus à me voir faire dans ma tête mon mouvement. Cela s'efface. Cela devient, c'est tout flou. » D'autres sportifs disent « Quand je fais mon mouvement dans ma tête, je n'arrive plus à savoir ce qu'il faut ressentir et surtout à quel moment il faut le ressentir, à quel moment je dois le ressentir. » Dans des sports duels sans contact physique, par exemple comme au tennis de table ou au badminton, j'ai des athlètes qui m'ont dit « Quand j'observe mes partenaires d'entraînement, je n'arrive plus à deviner ce qu'ils vont faire juste après. » Comme la représentation motrice est dégradée et que la représentation motrice comporte dans le plan moteur une petite partie de « j'anticipe les conséquences sensorielles »,
vous voyez bien que là, les habiletés perceptives, la perception du sportif, elle est dégradée. Le questionnement que je me suis posé, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis à l'INSEP, et les sportifs, quand on fait du sport de haut niveau, malheureusement, la blessure, ça fait partie d'une carrière sportive. Donc, la question que je me suis posée pour éviter que cette représentation motrice, c'est-à-dire les souvenirs des gestes qui sont encodés dans le cerveau des sportifs, se dégradent, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il existe des moyens qui permettent d'enrayer cette dégradation des représentations motrices ? Je peux vous répondre oui, parce que sinon, on ne serait pas là. Est-ce qu'il est possible de générer des sensations périphériques même si on ne pratique pas l'action, c'est-à-dire sans la production d'action exécutée ? Et est-ce que la simulation motrice serait en capacité de produire ces sensations ? Quelques éléments de réponse. Quand on fabrique une image mentale dans sa tête, souvent, je pense que vous l'avez expérimenté, on pourra échanger tout à l'heure à ce sujet, on ressent un certain nombre de sensations, on parle de sensations subjectives. Et bien, ces sensations que l'on ressent, en fait, ce serait le résultat de l'estimation des conséquences somatosensorielles de cette action. Quand on observe une action réalisée par ses partenaires d'entraînement ou réalisée par soi-même, on a une activation des zones motrices et des zones somatosensorielles ou des zones sensations dans notre cerveau. C'est-à-dire que le sujet, il simule la sortie motrice, les entrées somatosensorielles qui accompagnent la production de cette action. Donc vous voyez que dans ces deux cas, là, quand on fabrique une image dans sa tête, on peut ressentir des sensations. Quand on observe un geste, on peut également ressentir des sensations. Oups. Par rapport à l'observation et au ressenti des sensations, je vais vous présenter très rapidement une expérience qui a été réalisée par Calvo Mirino et Grèze en 2006. Et pourquoi je vous la présente ? Parce que c'est une des premières expériences qui s'attache en neurosciences cognitives à étudier un geste sportif. En l'occurrence, ici, ce sont des danseurs qui pratiquent la danse classique au Ballet Royal de Londres. Et ces danseurs, qu'est-ce qu'on a fait dans l'expérience ? Eh bien, on les a mis dans un IRM. Et dans cet IRM, on leur a fait observer des vidéos de séquences dansées qui étaient produites par les femmes, mais également des séquences dansées qui étaient produites par les hommes. Il faut savoir qu'en danse classique, les participants qui avaient participé à cette expérimentation étaient de genre féminin et masculin. Il faut savoir qu'en danse classique, les gestes qu'exécutent les hommes ne sont pas forcément réalisés par les femmes. Par exemple, en danse classique, les hommes réalisent des portées avec des partenaires féminines. Les femmes ne réalisent pas de portées. Et vice-versa, il y a des séquences chorégraphiques qui sont réalisées par les femmes, mais pas par les hommes. Et quand on a mis ces personnes dans l'IRM, quand on a mis les jeunes femmes, on leur a présenté des séquences qui étaient réalisées par des femmes, mais également des séquences qui étaient réalisées par les hommes. Quand elles observaient dans ces IRM les séquences qui étaient réalisées par les femmes, donc leurs homologues, on observait des zones dans le cerveau qui s'allumaient, des activations du cortex prémoteur, zone motrice, et du cortex pariétal, les zones somatosensorielles. Puis on a le STSS qui s'est activé. Par contre, quand ces jeunes femmes observaient dans l'IRM des séquences masculines de danse, eh bien, ces activations, elles étaient minimes ou elles n'existaient pas.
Pourquoi ? Parce que pour que les zones motrices et somatosensorielles s'activent, il faut avoir un bagage moteur, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire l'action motrice que l'on observe. Si on ne sait pas faire l'action motrice que l'on observe, mais il y en a juste uniquement que les zones visuelles qui sont activées, pas les zones motrices. Autre élément de réponse qui est intéressant, et c'est une équipe lyonnaise, l'équipe de Guillot, qui a montré que lorsque l'on simule mentalement, c'est-à-dire plus particulièrement dans ce cas, lorsqu'on imagine dans sa tête une image du mouvement et qu'on accompagne cette action imaginée de mime, eh bien, cette équipe s'est aperçue que le sportif avait une amélioration de l'exécution technique, c'est-à-dire une amélioration du geste qu'il exécutait, qui était beaucoup plus importante que s'il ne faisait que l'imagerie seule, sans le mime. Et donc, quand on couple l'imagerie technique de simulation motrice avec du mime, eh bien, là aussi, on ressent des sensations. Ça veut donc dire que comme on a mis en évidence, que la recherche scientifique a mis en évidence qu'il y a des zones du cerveau qui sont communes, qui s'activent quand on fait son sport ou on fait un geste dans sa tête et quand on le réalise pour de vrai. Et comme on a montré que ces techniques de simulation motrice, elles peuvent faire naître des sensations périphériques, on peut avancer que lorsque l'on s'entraîne à la simulation, on s'entraîne aussi pour partie à la réalisation effective de ce geste. Donc vous voyez les enjeux que cela peut avoir pour le milieu sportif, chez les sportifs sains. Enjeux, je vous expliquerai dans la deuxième partie quels sont les enjeux, et chez le sportif blessé, privé de sensations périphériques. Enjeux importants qui permettent d'optimiser son retour à la pratique. Donc là, maintenant, on va parler plus sur des choses concrètes. Qu'est-ce que j'ai pris en compte pour individualiser les programmes ? Ce que j'ai pris en compte, c'est la spécificité de l'activité sportive. Le programme que je mets en place, il va être différent si je travaille avec des danseurs, avec des gymnastes, que si je travaille avec des sports de combat, avec des sports collectifs. Et donc, je vais illustrer ceci, voilà, par la spécificité de l'activité sportive. Je vais distinguer, dans le milieu du sport, grosso modo, il y a deux types d'activités sportives. Il y a des activités sportives où on a très peu d'incertitudes. Très peu d'incertitudes, comme par exemple le lancer de poids, le saut en hauteur, tout ce qui est acrobatique, le trampoline, le plongeon, la gymnastique, le patinage artistique. Il y en a un peu plus d'incertitude. Ça veut dire qu'on appelle ceci des habiletés fermées. Dans ce genre d'activité, le sportif, il doit reproduire un geste qui est très codifié. Il se réfère à un modèle, à un pattern. Et que s'il s'écarte de ce pattern, il y a un corps arbitral qui le pénalise, c'est-à-dire qui lui enlève des points parce qu'il est doit reproduire le geste comme un calque, comme un pattern. Et c'est le cas, par exemple, de l'activité de trampoline que je vais vous montrer. C'est un athlète que je suis. Alors, toutes les photos que vous voyez, entre parenthèses, toutes les photos donc, que vous voyez et les vidéos, c'est avec des athlètes avec lesquels je travaille. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. C'est le trampoline, c'est Alan Morante qui a fini, donc grâce à ce mouvement, on pensait qu'il pouvait avoir une médaille, il a fini malheureusement au pied du podium, mais je pense que Jeux Olympiques de Tokyo ait la forte chance cette fois-ci de monter sur le podium. Et donc je vais vous montrer le mouvement, pour vous allez voir comment c'est complexe, et pendant que je vous montre le mouvement, je vous explique la spécificité de cette discipline. Voilà, le trampoline, c'est en fait, on saute sur un trampoline. On peut sauter jusqu'à 6 à 10 mètres de haut. On doit sauter et enchaîner 10 figures.
Ouh là là. On va refaire. Voilà, il doit enchaîner 10 figures les plus compliquées possibles, c'est-à-dire en faisant beaucoup de rotations transversales et longitudinales. Et plus il va faire de rotations transversales, c'est-à-dire des sortes de galipettes en l'air et des rotations longitudinales, plus il en fera, mieux il sera coté. Il doit donc enchaîner ces 10 figures en restant au milieu de la toile, vous voyez, ne pas s'en écarter. Là, il va falloir que vous ayez beaucoup d'imagination parce que si toutes les vidéos... Alors, si je demande aux athlètes de simuler dans leur tête des vidéos comme ceci, je veux dire, les sportifs vont encoder des gestes qui sont erronés. Donc, ce n'est pas très, très bon. Et de la même manière, puisque j'utilise aussi cette technique de l'observation, si on observe des gestes qui ne reflètent pas la réalité, on encode de mauvais signaux dans le cerveau. D'autre part, on a un autre type d'habileté, de discipline sportive. C'est des disciplines où il y a qu'on appelle des habiletés ouvertes. Ce sont des disciplines sportives qui présentent de nombreuses incertitudes. Par exemple, là, comme vous allez le voir, au basketball, ce sont des athlètes qui sont amenés à évoluer dans un environnement très complexe, très incertain, incertitude de la part de leurs adversaires, mais également de la part des partenaires. Et ils doivent prendre des décisions. Et ce qui est très difficile, c'est qu'ils ont une forte contrainte temporelle. S'ils prennent le temps de décider, eh bien, l'action, elle se déroule et le choix qu'ils ont fait sera mauvais. Donc là, j'espère que la vidéo sera un peu meilleure. Et donc là, donc, vous voyez des adversaires, d'incertitudes et des prises de décision à prendre. Donc vous voyez bien que lorsque je travaille en fonction de la discipline sportive qui est pratiquée par l'athlète, je vais travailler de manière différente. Et ça, on pourra l'évoquer lorsque nous échangerons ensemble. Je prends en considération aussi l'individu et ses ressources. C'est-à-dire que lors de la première séance, nous discutons et je demande, je fais un état des lieux, un petit peu, si vous voulez, sur ce que le sportif sait faire. Est-ce qu'il sait imaginer un geste dans sa tête? Est-ce qu'il le fait surtout? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il se parle souvent dans sa tête pour réciter sa routine? Est-ce qu'il fait de l'observation? Et est-ce qu'il fait du mime? Et en fonction de ce qu'il fait, je vais m'appuyer sur ses points forts pour construire le programme qu'il suivra. Les fonctions de la simulation motrice. Ça va dépendre des fonctions. J'utilise la simulation motrice dans plusieurs cas pour se réapproprier des gestes élémentaires. Quand le sportif est blessé, il savait faire les gestes. Il faut qu'il les réapprenne. Donc, la deuxième fonction, c'est pour réapprendre à prédire les mouvements d'autrui. On a vu que les représentations motrices se sont dégradées et que le sportif n'est plus capable d'anticiper ce qui va se passer après. Et la troisième fonction, c'est d'accélérer la récupération. Pour se réapproprier des gestes que l'on maîtrisait auparavant, on peut faire, comme vous le voyez sur la photo, de l'imagerie. Là, cette jeune fille, elle fait de l'imagerie, c'est-à-dire qu'elle fabrique dans sa tête des images, c'est une judokate, des images des différents scénarios qu'elle va peut-être pouvoir rencontrer lorsqu'elle va combattre un adversaire. Et quand on fait une séance d'imagerie, on doit s'interroger sur un ensemble de paramètres. Est-ce qu'il faut demander à l'athlète d'ouvrir ou de fermer les yeux? Est-ce qu'il faut lui demander d'être assis, allongé ou debout? Est-ce qu'il faut... On s'interroge sur la perspective qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il faut faire une image sans rien ressentir, sans rien entendre? Est-ce qu'il faut faire une image en noir et blanc, une image en couleur? Est-ce qu'il faut visualiser le mouvement que l'on fait dans sa tête à la même vitesse que le mouvement qu'on fait réellement? Est-ce qu'il faut aller plus vite, plus lentement? Est-ce qu'il faut se voir soi ou
une autre personne. Est-ce que quand on fait l'imagerie, est-ce qu'on doit ressentir des sensations, des états émotionnels, la peur, la fatigue? Voilà. Est-ce que l'on fait selon une perspective externe? Une perspective externe, c'est on se voit de l'extérieur, comme si on est spectateur de sa performance. Une perspective interne, c'est comme si on avait une caméra sur le sommet de sa tête. Et donc là, vous voyez, elle fait un équilibre. Elle l'imagine selon une perspective externe, spectatrice de sa performance, ou sur une perspective interne. Et c'est le même élément. Et vous voyez donc qu'il y a deux types d'imagerie possibles. De la même manière, lorsque l'on met en place une séance d'observation, on doit s'interroger sur un certain nombre de facteurs. Le contenu de l'observation, est-ce qu'on montre quelqu'un qui réussit tout le temps le geste? Est-ce qu'on montre quelqu'un qui réussit jamais le geste? Ou est-ce qu'on montre quelqu'un qui parfois réussit le geste et parfois ne le réussit pas? Sur quelle perspective on s'observe? Est-ce qu'on s'observe selon cette perspective externe ou selon cette perspective? Est-ce qu'on donne des instructions ou est-ce qu'on ne leur donne aucune instruction? Vas-y, maintenant tu observes. Ou alors maintenant tu vas observer dans le but de reconnaître le geste. Par exemple, en sport collectif, on va demander, tu observes pour reconnaître ce qui va se passer après. Ou tu observes pour faire après. Est-ce que le sujet, il vaut mieux observer soi-même ou observer quelqu'un d'autre? Est-ce que moi qui observe, qui suis une grande fan de tennis et qui suis novice en tennis, est-ce qu'il faut que j'observe, je ne sais pas, que je regarde le tournoi de Roland Garros toute la semaine pour qu'il y ait des répercussions sur ma pratique physique? Je ne sais pas. Est-ce que le contexte de l'observation doit être spécifié? En conclusion, je peux utiliser des techniques de simulation motrice seule ou en association, avec ou sans séquence mimée. Et donc là, je vais vous montrer quelques petits exemples. Ici, vous allez voir une jeune fille qui est championne d'Europe, médaillée de bronze au championnat d'Europe en poutre. Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mime son exercice et en même temps, elle l'imagine dans sa tête. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Très bien. Ici, cette petite jeune fille, vous voyez, elle va faire de l'imagerie en position assise. Pourquoi? Parce qu'elle est blessée au niveau du membre inférieur. Et donc, elle ne peut pas s'appuyer, elle ne peut pas utiliser ses membres inférieurs. Donc, je l'ai mis en position assise. Et là, ce qu'elle va faire, dans un premier temps, elle va verbaliser, action verbalisée, l'action qu'elle va imaginer et mimer ensuite. On l'écoute. Alors là, je vais vous demander de faire un petit... tourner un petit peu, d'imaginer. Soleil demi, Jäger. Bon, vous voyez, donc là... elle a verbalisé son action et en la verbalisant, ensuite, elle la simule, imagerie mentale et mime. Donc, je vais arrêter de vous faire souffrir. On arrête. La deuxième fonction de la simulation motrice, c'est réapprendre à prédire les mouvements d'autrui. On a vu tout à l'heure que les habiletés perceptives des sportifs blessés étaient altérées. Alors, comment on fait pour enrayer cette altération? Eh bien, j'utilise une technique de simulation motrice que j'appelle observation. Et vous allez voir... en quoi ça consiste? Alors, le mot savant, c'est que j'invite le sportif à réaliser des tâches d'occlusion temporelle. Ça veut dire que là, vous voyez, le sportif, il va observer une séquence, une habileté ouverte, je crois que c'est du foot américain, où il y a de l'incertitude. Donc, il visionne une vidéo et à un moment T, je coupe. Je coupe et je lui demande d'émettre un jugement sur la situation observée. Par exemple, dans quelle direction va aller le ballon? Ou... voilà, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Où il va aller? Et
en pratique, une fois sur deux, sur les sportifs blessés, je m'aperçois qu'une fois sur deux, ils sont incapables de donner, d'émettre la bonne réponse. Donc ça, c'est le cas, apprendre à prédire ce qui va se passer après, lorsque je suis confrontée à des situations, des disciplines sportives où il y a beaucoup d'incertitudes. Quand il n'y a pas d'incertitude, comme par exemple la gymnastique rythmique, c'est-à-dire qu'on doit reproduire un modèle parfait, que si on s'écarte de la reproduction de ce modèle, on est pénalisé. Donc là, il n'y a pas d'incertitude. Comment je peux faire pour enrayer cette diminution des habiletés perspectives? Et ben voilà, ce que je fais, c'est que je lui montre une vidéo d'un mouvement de GRS, et là, je pense qu'elle est au ruban. Donc, elle fait son mouvement et à un moment donné, je mets en place un occludeur, c'est-à-dire que je masque pendant un certain laps de temps, ici en l'occurrence 1000 millisecondes, et quand les 1000 millisecondes, donc la vidéo, elle continue. Et donc là, il y a des choses qui se passent qu'elle ne voit pas. Et quand l'occludeur est enlevé, il y a la suite du mouvement. Et la réponse à laquelle elle a à se positionner, c'est est-ce que l'action qui est là, c'est l'action réelle, qui est congruente, qui est temporellement congruente, ou est-ce que l'action qui est là, elle est en avance par rapport au déroulement normal de la séquence, ou est-ce qu'elle est en retard? Là, ça fonctionne relativement bien. Ensuite, pour fonction de la simulation motrice, et là j'utilise l'imagerie du processus de guérison, c'est pour accélérer la récupération. Le premier à avoir mis en place, en avoir parlé, c'était le docteur Simonton, qui était oncologue et radiologue. C'était aux États-Unis dans les années 50. Et il était chercheur également. Et il s'est aperçu que quand il demandait à des patients qui étaient atteints de cancer relativement grave et qui suivaient bien évidemment les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie normaux, quand il leur demandait de visualiser le processus de guérison en utilisant une image métaphorique des Pac-Man qui mangent les cellules cancéreuses, il a démontré que, en plus des traitements traditionnels, quand on utilisait cette imagerie de processus de guérison, eh bien on observait des degrés de rémission qui étaient beaucoup plus longs et on observait même des guérisons. Alors, il a été pris dans les années 50 un petit peu comme un charlatan parce qu'on n'est pas arrivé à expliquer. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé dans son ouvrage... Moi, j'aime bien avoir l'explication scientifique, comprendre pourquoi ça fonctionne. Tant que je n'ai pas d'explication scientifique, j'hésite à utiliser. Et il a démontré que lorsqu'il appelle ça visualisation, mais en fait, c'était de l'imagerie, lorsque, en plus des traitements, il incitait ses patients à visualiser le processus de guérison, et bien, suite à cette visualisation, sur ce graphique, on voit qu'il y a une augmentation de l'activité lymphocytaire. Donc là, c'est une mesure objective qui me convient. Beaucoup plus récemment, en 2012, il y a des études qui ont été faites sur cette imagerie de processus de guérison. Madison, en 2012 particulièrement, a travaillé avec des patients qui étaient victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur ou postérieur du genou. Et il a mis en place un programme d'imagerie du processus de guérison où les patients étaient incités à imaginer la guérison du ligament croisé et en imaginant que ce ligament croisé était un câble mais qui était souple, c'est-à-dire qu'il pouvait se détendre, mais qui était solide tout à la fois, qui pouvait se tendre. Donc, il demandait aux patients de voir le ligament qui se tendait, qui se détendait, comme un câble souple et solide qui va étirer doucement le tissu cicatriciel. Et ce qu'il s'est aperçu, c'est que par rapport aux patients qui ne suivaient pas ce programme d'imagerie, les patients donc, qui suivaient la rééducation normale plus l'imagerie en supplément,
montrait une plus grande laxité du genou et également des niveaux de noradrénaline dopamine qui étaient plus faibles chez les patients qui utilisaient l'imagerie que chez les patients qui n'utilisaient pas l'imagerie. Les niveaux de noradrénaline et de dopamine, ce sont le cerveau qui libère des hormones de stress. Donc, on s'est aperçu que l'imagerie du processus de guérison, en comparant des personnes qui faisaient la rééducation seule versus rééducation imagerie du processus de guérison, que donc il était facilité. Au jour d'aujourd'hui, les explications sont un peu obscures, mais moi j'ai cherché à comprendre et j'ai trouvé, vous voyez, l'étude date de 2012 et j'ai trouvé des travaux qui dataient de 1984 et 92, mais qui n'avaient rien à voir avec l'imagerie du processus de guérison, qui avaient juste à voir avec les niveaux de noradrénaline et de dopamine qui étaient sécrétés par le cerveau. Et on s'est aperçu que quand ces quantités de niveaux de noradrénaline et de dopamine était faible, eh bien, ça pouvait favoriser favorablement la régénération, la réparation tissulaire et les réponses immunitaires et inflammatoires nécessaires au processus de guérison. Donc, ce que je fais, moi, avec les sportifs, c'est que je leur demande d'imaginer le processus de guérison comme ils veulent. Soit ils imaginent le processus physiologique. Alors, j'ai des sportifs de haut niveau qui sont kinés. Alors, comme ils sont kinés, ils mettent un point d'honneur à imaginer le processus physiologique. Par exemple, sur une fracture, ils voient la cicatrice avec la formation d'ostéoblastes, etc. Mais souvent, 90%, voire 95% des sportifs préfèrent visualiser le processus d'imagerie de guérison en utilisant des images métaphoriques. Par exemple, ici, une fracture de l'os, ça peut être symbolique pour un mur de pierre qui est complètement détruit, et petit à petit le sportif va reconstruire ce mur, et lorsque le mur sera terminé, eh bien, le processus de guérison sera achevé. Alors, placé hors contexte, vous allez me dire, mais elle est complètement folle, ça ne fonctionne pas. Mais comment je peux voir si ça fonctionne? Eh bien, j'ai un jeune athlète qui l'a fait, qui a été voir son chirurgien qui l'a opéré, et il avait encore, quand il a été le voir au bout de trois mois par rapport au début de la blessure, et il avait encore 5 mois à faire. Et quand le chirurgien l'a vu, il lui a dit: ouh là là, mais tu peux presque reprendre le sport là, c'est bien. Et alors l'athlète était tellement content de pouvoir reprendre, alors que normalement il devait encore avoir 2 mois d'arrêt, qu'il lui a expliqué: oui, mais vous comprenez, c'est clair, elle m'a dit faire ci, ça, ça. Alors le chirurgien n'a rien compris, mais le principal, c'est pour montrer que ça fonctionne. Alors évidemment, les images métaphoriques qui sont utilisées, c'est des images qui ont un sens pour l'athlète. Alors je prends en compte aussi les états émotionnels et motivationnel, parce que quand les réactions du sportif au regard de la blessure, pour le sportif, c'est vécu comme un événement traumatisant, difficile. Alors quand ils viennent en étant, entre guillemets, tristes, je dirais, entraînant les pieds, etc., je ne vais pas leur demander: allez, maintenant, vous allez simuler votre geste sportif. Non. Parce que au regard de la blessure, c'est un peu comme lorsque l'on a un deuil, il y a un certain nombre d'étapes à passer qui sont mentionnées sur la diapositive. Ça dépend aussi des objectifs sportifs. Trois mois après, il y a une sélection pour les Jeux olympiques, eh bien, peut-être qu'on mettra plus de séances. Tout ça, ça dépend des objectifs sportifs, mais également, on est bien d'accord sur le verdict médical. C'est le verdict médical qui prime, c'est-à-dire quand le corps médical donne son accord pour reprendre, on reprend, mais pas avant. Et enfin, il y a la disponibilité du sportif, parce qu'on sait que, on pense que quand on est blessé, on a beaucoup de temps. Eh bien, pas du tout, parce que quand on est blessé, justement, les sportifs, déjà, ils ont de la rééducation, de la réathlétisation à faire. Vous voyez, ils se déplacent, les moyens de déplacement sont en béquille. L'INSEP, c'est très, très grand. C'est compliqué, les déplacements. On en profite également, quand ils sont blessés, ben, pour rattraper un petit peu les cours. Et puis, il faut quand même aussi qu'ils aient une vie sociale. Donc, c'est très compliqué. L'athlète qui est blessé, contrairement, il ne s'entraîne plus. Mais je vous promets, il a un emploi du temps beaucoup plus chargé que l'athlète qui s'entraîne.
des choses très importantes pour que ce programme fonctionne. Il faut que le sportif adhère au programme. Si c'est l'entraîneur qui dit « va voir Claire », ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il adhère de manière importante au programme. Important, tout ça, ça se passe en complète harmonie avec le sportif. Je ne suis qu'un accompagnateur, c'est-à-dire qu'on co-construit le programme ensemble. C'est lui qui fait. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer. S'il y a des volontaires qui veulent venir, je vous montrerai comment ça se passe. Ensuite, pour faire ceci, il est nécessaire d'avoir une collaboration étroite avec le staff médical, les médecins, mais également les kinés et l'entraîneur. Ça, je n'aurai pas le temps de vous montrer. Dommage. Et donc, je vous remercie de votre attention. Alors maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est d'échanger parce que... et puis d'expérimenter peut-être des choses. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport quand vous avez parlé des déterminants pour le programme à faire. Vous avez parlé que c'était notamment un dialogue avec l'athlète avec lequel vous allez traiter donc en imagerie, du coup. Oui. Et je voulais savoir, du coup, si c'était juste par rapport à ce dialogue qu'ensuite vous construisiez ce programme. Parce que vous avez dit que vous vouliez savoir s'il savait imaginer déjà, s'il le faisait déjà, s'il avait observé. Et je voulais savoir si vous basiez que sur ça ou si vous utilisiez d'autres outils aussi. Parce que je sais qu'il y a des outils qui existent par rapport à ça. Vous voulez voir ? Eh bien, venez avec moi. Ok. On y va. Vous êtes sportive? Oui. Quel sport pratiquez-vous? Le badminton, mais je suis blessée. Ah! Oups! Voilà. Très bien. Alors, la première fois que je vois l'athlète, je lui explique un petit peu ce que j'ai fait, mais je ne prends pas autant de temps. Très bien. Donc, quand je lui ai tout expliqué, ensuite, ça fait combien de temps que tu t'es blessée? En novembre, ça fait 6 mois. Donc, je suppose que tu fais de la rééducation. Tu fais de la rééducation. Tu vois le chirurgien. Tu vois le kiné. Et tu es autorisé à reprendre la pratique à partir de quel moment? Normalement, je vais recommencer à toucher un peu, à revenir sur le terrain d'ici 10-15 jours. Très bien. Donc, on imagine qu'elle a encore 3 mois d'arrêt. Okay. D'accord. Donc, ce que je vais lui demander, c'est, je vais lui demander, vous avez vu, je vais vous repasser le... Ça arrive, voilà. Je lui montre cette fiche et je vais lui demander, Sophie, est-ce que dans ta pratique, il t'arrive de faire des gestes dans ta tête? Oui. Oui, donc tu fais ces gestes dans ta tête. Très bien, tu les fais de quelle manière? Tu les fais de l'extérieur, comme si tu es spectateur de ta performance, ou tu les fais comme si tu as une caméra sur la tête, et c'est-à-dire que tu vois donc ta raquette, tu ne vois pas ton corps, tu peux voir la raquette, l'avant-bras. De l'extérieur plutôt, troisième personne. De l'extérieur. Quand tu fais cette imagerie, est-ce que tu ressens des sensations? Non, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps. Très d'accord, très bien. Donc, je prends en note tout ceci. Ensuite, est-ce qu'il t'arrive dans ta tête de réciter des consignes techniques? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu te dis? Une manière de positionner mes mains ou mes jambes, par exemple. Ah, tu le dis. Je me dis une manière de positionner mes mains. Ou mes bras, plutôt. Non, tu ne dis pas ça. Tu te dis comment tu les positionnes. Oui. Ah, bah oui, parce que je me dis la manière... Alors, comment tu te dis? Par exemple,
N'importe quoi, place ta main, enfin ta raquette au-dessus de ton bassin pour le service, ou bien remets le bras quand on veut faire un smash. Très bien. Est-ce que il t'arrive d'observer des prestations, oui. Souvent? Non, bah ça fait, ouais, j'étais un peu éloignée là. Est-ce que tu fais du mime? Tu mimes? Non. D'accord. Donc une fois qu'on a ces renseignements, voilà, je vais demander à Sophie. Est-ce qu'il y a un geste particulier ou est-ce que tu te souviens d'un match ou d'une partie de match où tu as bien réussi, tu as super bien fait ou un échange particulier sur une compétition importante? C'était il y a longtemps, donc ce ne sera pas très, très précis les souvenirs. Alors, est-ce que le service est un retour de service? D'accord. On va le faire. Tu vas le faire dans ta tête. On est d'accord. Est-ce qu'avant tu peux me le décrire? Alors moi, si je comprends rien, c'est pas grave. Le public, s'il comprend rien, c'est pas grave. C'est toi. Alors tu imagines que on est tes partenaires d'entraînement et tu expliques ce que tu vas faire. Vas-y. Ok. De service, retour de service. Oui, service, retour de service. Je vais me positionner au thé de service. Donc je mets correctement mes pieds. Je regarde là mon adversaire. Je me visualise dans ma tête l'endroit où je vais viser. Et après, donc je place bien mon bras à bonne hauteur. Je frappe le volant pour qu'il arrive jusque dans la zone que j'ai déterminée. Et après, j'ai anticipé du coup là où l'adversaire allait envoyer, mais je ne sais pas exactement à quel moment j'ai anticipé, mais je sais comment il va répondre. Et pendant ce temps, je me suis positionnée à l'endroit où est-ce qu'il allait répondre pour agir. Très bien. Donc pourquoi je fais ça? Elle fait une action verbalisée parce que on a des zones communes du cerveau, les zones motrices et les zones somatosensorielles qui sont activées, qui sont les mêmes que quand on fait. Donc déjà elle travaille. Voilà. Donc maintenant, je vais te demander de faire ce que tu m'as décrit dans ta tête. Je ne sais pas si vous avez besoin de prendre le micro. Pardon ? Je ne sais pas si vous avez besoin de prendre le micro. Ah bon ? Non, non, tu n'as pas besoin. Tu me dis quand tu es prête. Eh oui ? Elle commence. Très bien. Donc là, vous avez vu, elle a fait les yeux ouverts. Vas-y, tu reprends le micro. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai beaucoup de choses. Alors vas-y, dis-moi. Je me suis vue du coup de l'extérieur, dans mon positionnement. Après, je me suis vue en première personne en train de visualiser. Enfin, de voir l'adversaire, de visualiser où est-ce que j'allais, à l'endroit où j'allais servir ma cible. Oui. Mais du coup, en première personne. Enfin, oui, ça veut dire que elle se voit de l'extérieur et à un moment, elle switch pour se voir de l'intérieur. Oui. Et après, ça reste à l'intérieur, enfin, en première personne. Et je vois où le volant atterrit et je vois la réponse aussi de mon adversaire. Donc, tu vois ton adversaire. Ouais. Est-ce que tu t'es vu? Est-ce que c'était fluide? Non. C'était pas fluide. Est-ce que tu as ressenti des sensations? Non. Elle n'a pas ressenti de sensations. Alors zut. Alors maintenant, ce que je vais lui demander, de refaire son sport, cette même séquence dans sa tête, mais en mimant légèrement. Vas-y, mets-toi, mime. Alors normalement, je leur demande de venir avec la raquette. Donc, normalement, elle a la raquette dans les mains. Donc, elle va mimer. Vraiment comme si... Oui. Alors, vous voyez, souvent, on leur demande, et ils demandent, « Madame, on fait comment ?» Je dis, « Comme vous voulez. » C'est ça, on y va. Très bien. Alors, moi, quand je la vois...
tiens, tiens-moi. Quand je la vois faire le service et qu'elle est comme ça, et qu'elle me dit, je sers, et après je me replace pour faire le retour de service, tu fais ça sur le terrain? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu es positionnée comme ça? Comme ça, oui. Ah, d'accord, vas-y. Alors, sois bien précise, fais-le, mais ne dis pas, je fais le service, fais comme si tu étais sur le terrain. Tu fais hop et hop sur le terrain? Oui. Oui, très bien. Alors refais-le. Et okay. Tu me le refais et t'imagines qu'il y ait plusieurs échanges qui s'enchaînent. On y va, c'est parti. Très bien. Quand tu fais ça, est-ce que tu vois, tu fais de l'imagerie en même temps? Alors vous voyez, elle mime, elle fait l'imagerie. Tu me fais l'imagerie maintenant. Okay. Et je lui demande d'essayer de reproduire le geste et de se focaliser sur les sensations, puisque tu as senti des sensations quand tu as mimé. Mm-hmm. On y va. C'est bon? Mm-hmm. Tu t'es vu, le geste était fluide? Oui. Plus fluide que oui. Tout à l'heure? Est-ce que tu as ressenti des sensations? Oui. Où? Un peu plus. Où? Plutôt au niveau émotionnel, si on peut dire. Oui. Ou un peu l'adrénaline. De, oui. Et avec l'incertitude, où est-ce que mon... Enfin, de savoir qu'un coup va passer, ou où est-ce que mon adversaire va m'envoyer le volant et comment je vais réagir. Ça, c'est plutôt dans... Très bien. Donc, ça veut dire que dans, quand on fait une action imagée, il est bon aussi de greffer tous les états émotionnels, l'adrénaline, les sensations. Par contre, important, on ne fait pas d'imagerie en ressentant la douleur. Parce que si on fait ça, la douleur devient apprise. Et après, ça peut devenir se transformer en douleur chronique. Et pour après éradiquer une douleur chronique, c'est compliqué. Donc voilà comment on fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est plus concret. Merci. Voilà. Eh bien, elle est courageuse. Hein. Merci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en général, quand on a le temps, on fait une séance par semaine. Et évidemment, je donne des programmes, des devoirs à faire. Des devoirs. Alors, je veux dire, il y a des jours quand c'est... Parce que quand on se fait une rupture des ligaments, des croisés, c'est compliqué. Il y a des jours où c'est très, très difficile. On n'a pas le moral parce que bien souvent, quand on est blessé, les entraîneurs s'occupent un peu moins de soi. Les sportifs ont le sentiment d'être mis en quarantaine, d'être seuls à gérer. Surtout quand c'est une première blessure, il faut beaucoup les accompagner. Quand c'est des petites blessures, une petite entorse qui dure 15 jours, 3 semaines, ça va. Mais quand c'est des grosses pathologies... comme la jeune fille, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut arriver à proposer des séances qui soient en accord avec les états émotionnels. Bonjour, donc en fait, je voudrais savoir si vous dirigez la séance ou si la personne est fait un peu comme elle veut, par exemple les yeux ouverts et fermés. Ou elle s'imagine elle-même ou elle imagine quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle se voit de l'extérieur ou de l'intérieur? Qu'est-ce qui est mieux? Ou c'est la personne qui décide elle-même finalement? Il n'y a rien de mieux. Je prends en compte la singularité de l'athlète. Souvent, j'ai des athlètes d'une même discipline qui ont la même pathologie, les croisés. Il y a beaucoup de croisés. Eh bien, même discipline ou croisés, je leur fais la même séance. Ils font des choses complètement différentes. C'est eux qui font. S'ils font les yeux ouverts, les yeux fermés, en interne, en externe. Par contre, au départ, il est beaucoup plus facile de faire les yeux fermés. Pourquoi? Parce que quand on ouvre les yeux, on est perturbé par l'environnement extérieur. Pourquoi? Parce que quand on observe et quand on fait l'imagerie, vous voyez bien que c'est les mêmes zones qui sont activées. Donc c'est un peu comme sur le périph', il peut y avoir un embouteillage. C'est les mêmes circuits. Donc c'est compliqué. Donc dans un premier temps, je demande... Si les sportifs ne le font pas, s'ils ferment les yeux, je les laisse fermer les yeux. Et quand c'est rodé, je leur demande d'ouvrir les yeux. Parce que
je ne demande pas au sportif d'être le roi de l'imagerie motrice. Ce que je demande, c'est qu'il soit capable de transférer sur le terrain. Pour qu'il y ait un transfert quand on fait de l'imagerie motrice et quand on fait l'exécution du geste, il faut que l'imagerie motrice se rapproche le plus possible des conditions de pratique réelle. Le transfert est beaucoup plus facilité. Donc, quand j'ouvre les yeux sur le terrain, dans mon sport, mes yeux ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés. Et après, ça évolue. Plus il maîtrise la technique d'imagerie, plus il ressent de choses, plus il découvre de nouvelles choses. Et ça évolue au fur et à mesure du temps. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Moi, je ne fais que l'accompagner. Bonjour, je voulais savoir si dans le cadre des sports où il y a des partenaires, notamment l'accro, le patinage, etc., est-ce qu'il y a des séances collectives qui se font avec le partenaire et si oui, comment ? Effectivement, il peut y avoir des... Je vais prendre le cas de l'AGR. Je veux dire, comme c'est une activité qui se fait en groupe, c'est une activité, l'AGR, qui est artistique. On doit manier les engins, mais on doit être en synchronisation, on doit être en même temps avec ses partenaires, ou parfois on n'est pas forcément en même temps, mais il faut qu'on se synchronise. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais des séances, ils sont assis et ils font ensemble de l'imagerie. Et sur, quand ils sont en danse ou en patinage, ils sont avec un partenaire, à l'entraînement, il y a des comptes. Donc ils comptent. Au début, ils comptent tout haut. On peut mettre la musique, ça les aide à être en même temps, à faire l'imagerie en même temps. On peut leur demander de mimer. Ou pour les comptes, souvent, il y a des soucis dans les comptes, on peut leur demander de frapper dans les mains. Et on fait en même temps. Et donc, les gestes, je dois les voir en même temps. Et c'est assez joli quand ça se fait en même temps. Et en plus, ça renforce la cohésion. Ça veut dire que le sportif qui est blessé ne se sont pas mis en quarantaine. Ça renforce la cohésion. Ça répond à votre question ? Pardon, je voulais savoir si vous utilisez des techniques comme l'hypnose ou des choses comme ça pour, je ne sais pas, enfin là-dedans, dans le cas de blessure, est-ce que ça peut être utile ou... Oui, je suis hypnothérapeute et effectivement, j'utilise l'hypnose. J'utilise, quand je fais le processus de guérison, je le fais sous un état d'hypnose léger. Et je fais un processus de guérison complet. S'il y a 6 mois, je leur fais imaginer sous hypnose légère les 6 mois en 6 minutes. Pour qu'ils aillent. Donc, j'utilise l'hypnose quand, sur le processus d'imagerie de guérison. J'utilise aussi l'hypnose sur le. Pas quand ils sont blessés, pour les remettre en confiance, pour travailler aussi sur l'estime de soi, pour travailler sur le stress et l'anxiété. J'utilise ces techniques. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'ai une petite remarque et une question. La remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont vous parlez qui me font penser aux pratiques d'éducation somatique, comme la technique Alexander ou le Tony ou la méthode Feldenkrais, où on utilise sous d'autres termes ces simulations motrices, c'est-à-dire que quand un mouvement peut ou ne peut pas être fait, il est proposé de le faire en imagination ou en représentation, et que c'est des pratiques qui, pour certaines, datent du début du XXe siècle, donc il y avait déjà quelque chose d'empirique, empiriquement, qui existait de cette simulation motrice depuis assez longtemps dans certaines pratiques. Je trouve ça intéressant à noter. Et moi, j'avais envie de vous demander quel était l'intérêt aussi de la simulation motrice à l'entraînement, c'est-à-dire en dehors des cadres de blessures ou de récupération,
comment ça pouvait contribuer, par exemple, à, enfin, si ça avait des avantages, si ça peut aider à rendre un geste plus économique, plus efficace, etc. Alors, je vais déjà répondre à la deuxième partie de la question, et après, je rebondirai sur ce que, sur le fait que l'imagerie, ça a été utilisé bien avant, et je vais vous montrer un film qui vient de Russie et qui est très instructif. Sur des sportifs non blessés, effectivement, j'utilise aussi la simulation motrice pour renforcer les programmes moteurs, pour renforcer l'apprentissage, que ce soit dans les phases initiales ou plus tardives, pour éradiquer un défaut technique et le remplacer par un geste juste. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu hyper important, puisque c'est les mêmes zones, vous comprenez. Donc, ça marche beaucoup. J'incite également les sportifs, comme vous avez vu sur le trampoline, à utiliser la simulation motrice avant leur passage, parce que ça prépare le cerveau à l'exercice. C'est plus facile. C'est bon pour la partie. Je vais vous montrer quelque chose. Ça dure 4 minutes. Ça a été fait en Russie dans les années 70. Et vous allez voir que dans cette vidéo, c'est un médecin qui demande à un sportif d'utiliser l'imagerie. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo. Et je tenais à remercier M. Julien Farreau parce que c'est lui qui m'a donné, qui m'a communiqué ce document qui, moi, je trouve est extraordinaire. Parce qu'on n'a rien inventé, j'ai rien inventé du tout. Il y a des choses, ça ne porte pas le même nom, ça n'a pas été peut-être vérifié scientifiquement comme c'est fait actuellement, mais ça existait et ça fonctionnait. Donc, je vous montre. Hop, bien joué. Voilà. Je vais commenter en même temps. Émotion, pensée. Evgenia Bogdanovskaya apprend à Oleg Zaitsev un saut compliqué. Au plongeon. Anatoly Alexeyev, un psychohygiéniste, aide le sportif à obtenir la relaxation ou l'action de la parole et de l'image mentale est spécialement intense. Vous voilà en position de départ. Vous allez exécuter en pensée le mouvement montré par l'entraîneur. Quand vous entendrez mon parté, vous le ferez avec précision au rythme qui vous convient. Vous êtes déjà là-haut. Attention, partez. Ce qu'il faut noter, c'est quand on fait l'imagerie, il y a des réactions physiologiques. On voit parfois la respiration qui se greffe. Vous voyez, bien. Il y a des... Reposez-vous. Ce que vous venez de faire reste gravé dans votre mémoire nerveuse, psychique, musculaire et motrice. Ah, pardon. Je vais arrêter là. Ça veut dire que là, il fait de l'imagerie. Je pense qu'il ne fait pas uniquement de l'imagerie. Parce que là, il est allongé. Et j'ai dit que le transfert, il est beaucoup plus aisé quand on se rapproche des conditions de pratique. Donc, il aurait mieux valu qu'il le fasse debout. Et le fait qu'il fasse ce geste-là, je pense que, parce que c'est un montage, ça a été coupé parce que ça dure 40 minutes, donc ils m'ont coupé. Je pense que là, il est en état d'hypnose quand il fait ceci. Donc on peut faire en état d'hypnose et on peut faire le geste. Donc quand on est en état d'hypnose, effectivement, on peut être en état d'hypnose en étant debout ou assis, mais donc là, il est couché en état d'hypnose. C'est ce geste-là qui m'a fait penser que c'est un geste qui est utilisé pour switcher d'un état à un autre. Et ça me fait penser qu'effectivement, il doit faire de l'hypnose. Il fait hypnose et couplé à de l'imagerie. Voilà. Bon.
Bonsoir. Je voulais vous demander quand un geste est réalisé en temps réel, est-ce que tous ces schémas neuronaux sont impliqués ? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas une sorte de court-circuitage ? Parce que je pense que l'influx nerveux, par rapport à toutes les aires que vous avez mentionnées, met du temps à se transférer. Ce que vous avez proposé, c'est une préparation mentale. Mais dans la réalisation pratique, sur le terrain, j'allais dire, c'est vraiment beaucoup plus instantané et immédiat. Et moi, j'avais lu quelque part, je ne sais pas si je me suis trompé, c'est que quelquefois, quand un geste est réalisé, il passe à exécution sans qu'il y ait une stimulation de l'aire corticale motrice. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un déclenchement de la volonté. Et puis ensuite, ça passe directement au neurone moteur de la moelle épinière, je ne sais pas. Alors, mais... oui. Quand on fait l'imagerie, on est d'accord, à la même vitesse que l'exécution réelle, il a été démontré, en mettant les gens dans des IRM, qu'il y a un circuit, que ce sont les zones, les mêmes zones qui sont activées. Notamment, c'est la zone du cortex prémoteur. On a l'aire motrice supplémentaire, on a le cervelet et on a des zones pariétales qui sont activées. C'est les mêmes zones qui sont activées et le programme moteur, l'ordre moteur, il est prêt à partir. Sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une inhibition motrice, c'est-à-dire qu'on parle de gate, de barrière. C'est-à-dire que le programme moteur, l'ordre moteur, il est prêt à partir, mais il y a une barrière, une inhibition qui empêche l'ordre moteur de descendre et d'aller atteindre les motoneurones. D'accord ? Actuellement, au niveau de l'imagerie, il y a beaucoup de débats sur le lieu où se situe cette inhibition. Il y en a qui disent que c'est dans l'aire motrice, il y en a qui disent que c'est dans le pariétal, ou il y en a d'autres qui disent que c'est dans le cervelet. On ne sait pas trop, c'est sujet à débat. Ce que je peux vous dire, c'est exactement le même circuit neuronal qui est activé quand j'imagine et quand je fais l'action. Et quand vous faites une action, la dernière partie de ce que vous m'avez dit, il y a forcément, vous dites c'est stimulé, oui le cerveau est stimulé, mais les zones motrices sont forcément stimulées, parce que si elles ne sont pas stimulées, vous ne pouvez pas réaliser l'action. Alors, j'avais une question par rapport à vos recherches. Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'équitation pour, avec des athlètes aussi de haut niveau parce que moi, je fais de l'équitation. Il y a des blessures assez spécifiques et je voulais justement savoir si vous aviez des recherches là-dessus. Alors, à ma connaissance, je ne connais pas de recherches scientifiques qui ont été faites sur l'équitation. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un athlète blessé il y a un mois qui faisait du pentathlon. Donc, il y avait de l'équitation. Et justement, il s'est blessé en tombant de son cheval. On a fait un petit peu de simulation motrice, c'est-à-dire qu'il était assis, on avait fait un système de rênes qu'il devait tenir, etc. Et je l'avais fait, évidemment, je ne l'ai pas fait retravailler sur le passage où il devait sauter l'obstacle. On a commencé par travailler sur des parcours au pas, au trot, ensuite des petits sauts. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y a des noms techniques, mais je ne les connais pas. Et donc, on a fait ça progressivement. Et à chaque fois, je lui demandais s'il n'avait pas d'appréhension, en recommençant sur des choses très simples, au pas, au trot. Ensuite, on n'a pas
il ne s'est pas imaginé, il n'a pas fait de simulation motrice avec le cheval sur lequel il s'est blessé. On a commencé par un autre cheval. Et quand il y avait... Il n'y a pas eu d'appréhension parce qu'on a fait par phase. Et après, on a travaillé avec le cheval sur lequel il s'est blessé, sur des choses de base. Et il n'y avait pas d'appréhension ni de peur. Donc, c'est la seule expérience que j'ai en équitation. Ce que je sais aussi, c'est qu'on a beaucoup insisté sur... le cheval, c'est son ami, fait partie du cheval. Ça forme un tout, vous voyez. Et ça a bien fonctionné. C'est la seule expérience que j'ai par rapport à l'équitation. Un peu dans la suite de cette question, est-ce que vous travaillez aussi donc le moment de pour dépasser le moment où la personne s'est blessée en faisant tel geste ou par exemple sportif? Comment vous travaillez pour dépasser la peur et l'appréhension du même geste plus tard? Il y a plusieurs possibilités. Là, j'utilise beaucoup l'imagerie motrice. Première possibilité, je travaille ce que j'appelle sur les submodalités de l'imagerie motrice. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple. J'ai une jeune fille qui était gymnaste qui est tombée de la poutre parce qu'elle a fait deux saltos, elle a raté la poutre, elle est tombée. En tombant, sa main a touché la poutre et elle s'est cassée, je ne sais plus quoi. Et elle a refait, elle avait peur. Donc ce qu'on a fait, on a travaillé sur les submodalités. Quand vous faites sur une ligne, elle faisait l'exercice sur une ligne qui était plus petite que la poutre. La poutre fait 10 cm de largeur. Pas de souci. Donc, elle imaginait qu'elle faisait sur cette ligne. Pas de peur. De façon aisée, fluide. Après, on a ce qu'on appelle des petites poutres en mousse. Donc, elle a fait sur petite poutre en mousse. Pareil. Pas de peur. Dans sa tête. Et ensuite, elle a fait sur la poutre. Sur la poutre normale. Et puis, je lui demandais d'imaginer l'exercice qu'elle faisait en montant progressivement la hauteur de la poutre jusqu'à arriver à 1,20 m. Donc, elle a commencé. Puis, à un moment, elle arrive là, elle a peur. Je dis, c'est pas grave, tu redescends. Elle redescend, elle n'a plus peur. Donc, je la revois 3 jours après. Bon, le devoir que tu dois faire le soir, c'est que tu imagines à cette hauteur pour bien ancrer ceci, sans la peur. Je la revois, on remonte, on remonte, on remonte, on redescend. On a fait ce travail pendant une semaine, trois fois, ensemble. Et ben après, elle est arrivée à la hauteur, elle n'a plus eu peur. Et quand elle est remontée, ça s'est inhibé. Là, c'est travailler sur les submodalités de l'imagerie. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez peur du corps arbitral, quand quelqu'un vous crie dessus, oui, t'es nul. Ça a un impact. Travailler sur une submodalité, quand je dis oui, t'es nul. Vous voyez, il y a un petit sourire. Ça dédramatise la situation. Donc en travaillant sur les submodalités, on arrive à faire disparaître ces sentiments de peur. Une autre chose, sur certains athlètes, je leur dis de... Parce que parfois, quand ils sont blessés, qu'ils n'ont pas encore repris la pratique, ils font l'imagerie et ils ressentent la douleur. Donc j'ai dit, je ne veux surtout pas de douleur. Parce que les douleurs chroniques, après, c'est compliqué. Je leur dis, parce que c'est des jeunes, ça. Je leur dis, bah, écoutez, je vais vous proposer de prendre une machine à remonter le temps. Et je vais vous demander d'aller vous voir quand vous n'étiez pas blessé. Et de faire l'exercice tranquillement. Ça fonctionne. Ou je leur demande de faire en externe. Tu es loin, tu t'observes en externe. Est-ce que tu as mal? Non. Ben, tu te rapproches petit à petit, tu te rapproches. Et puis à un moment, c'est toi. Et tu me dis si tu as mal ou pas. En faisant avec ces petites astuces, on arrive à éradiquer ce sentiment de peur suite à une blessure. Je voulais savoir s'il y avait des typologies de blessures sur lesquelles ces techniques-là marchaient plus ou moins bien.
Quand je parle de typologie, ça peut être les conditions dans lesquelles ces blessures ont été effectuées. Donc, notamment, enfin moi, ça m'est arrivé de me blesser dans des conditions vraiment bêtes, donc des conditions qui m'ont pas empêché de refaire le mouvement après, ou alors au contraire des mouvements qui ont fait peur, comme la situation qu'on a vue juste avant. Ou quand je parle de typologie, ça peut être aussi être la partie du corps, ou est-ce que justement une fracture, une entorse, c'est pas les mêmes tissus ou organes qui sont touchés. Donc est-ce que, je sais pas, il y a des différences sur le type de blessure? Moi, je trouve que c'est plus facile quand j'ai un sportif qui vient qui s'est pas blessé dans son sport. Il y en a un qui descendait les marches du métro avec une valise et puis il s'est blessé là. Donc c'est plus facile parce qu'après, il y a moins de peur. Par contre, en fonction de si c'est un muscle, un tendon, un os, des choses différentes, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, tous les sportifs sont différents. Ils réagissent de manière différente à la douleur, à cette épreuve de la blessure. Donc, on trouve des solutions qui marchent et qui lui conviennent. Donc, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de temps gagné en récupération, en fait, avec cette méthode par rapport à le fait qu'on ne l'utilise pas dans certains sports, je sais pas. Alors, je vous ai donné l'histoire du chirurgien. Après, l'évaluer, c'est très, très difficile. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'évalue sur des ressentis, par exemple, du sportif ou de l'entraîneur. Par exemple, l'entraîneur, dans sa carrière, il a eu beaucoup de sportifs qui ont blessé, donc ils ont une certaine connaissance des temps de récupération. Et c'est vrai que quand, après, les athlètes que j'ai dans les mains et qui reviennent à l'entraînement, c'est vrai que l'entraîneur dit « Oh, c'est pas possible, ils reprennent super vite. » Bon, je dis, c'est bien, si vous êtes content, il n'y a pas de souci. L'athlète, lui, par contre, il me dit quelque chose qui est très révélateur. Quand j'ai commencé, j'avais une jeune fille qui s'est fait encore les croisés, c'était en gym. Et pendant un an, je l'ai eue. Et quand elle a repris la gym, elle me dit, Claire, j'ai l'impression que ça fait que 15 jours que je me suis arrêtée. Toutes les coordinations, je les ai. C'est-à-dire qu'elle avait tous les points de repère, les sensations et les coordinations. Après, elle n'avait peut-être pas trop la force musculaire ou l'endurance, la résistance, mais elle avait tout. Elle avait l'impression qu'elle s'était arrêtée qu'il y a 15 jours. Elle avait les repères, toutes les sensations. Donc, je n'ai que ce moyen pour évaluer de l'efficacité de la récupération. Bonsoir. Bonsoir. Quand une personne, elle est traumatisée par l'accident et qu'elle ne fait pas de récupération tout de suite, après un bout de temps, elle va savoir qu'il y a la possibilité de faire un travail. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, justement, j'en ai une. J'ai une judokate qui s'est blessée comme ça, qui a repris et qui revient me voir parce qu'elle a peur de refaire le geste. Ben je recommence, je travaille sur l'éradication de la peur, sur les submodalités. Et comme je la vois quand je fais l'entretien de début, elle me dit, moi, j'imagine jamais, je ne sais pas. Donc, je lui fais faire et je lui dis, ben, tu vois, tu imagines, tu y arrives, tu ressens. Donc, on travaille sur des prises qu'elle aime bien, des prises qui ne lui font pas peur. Et petit à petit, on va attaquer le travail sur la prise qu'elle n'ose plus faire parce qu'elle a peur. Elle fait les ouvertures pour faire cette prise de judo, mais elle n'ose pas aller au bout parce qu'elle a la peur. Donc, on va travailler. C'est le travail qu'on va faire dans la semaine et dans les semaines à venir. Et donc, je répondrai de manière positive à votre question, parce qu'en faisant ces techniques de simulation motrice, même sur des gens, des sportifs qui ne sont pas blessés, on renforce le programme moteur.
Et voilà. Par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y aura une régénération tissulaire, oui. Est-ce que vous travaillez avec les médecins, les chirurgiens, pour accélérer la phase de réparation de la lésion? Ou bien c'est uniquement dans une optique de réentraînement aux gestes sportifs, une fois que la lésion est quasiment rétablie au niveau organique? Ou bien est-ce que ça peut accélérer la récupération? Ce que je fais, c'est que je travaille en collaboration étroite, pas avec les chirurgiens, mais avec les médecins à l'INSEP qui suivent. Et je leur demande de m'expliquer au niveau physiologique et anatomique les différentes étapes de ce processus de guérison. Voilà. Je le mets dans l'imagerie du processus de guérison. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, parce que c'est vrai, moi je suis une scientifique, donc j'aime bien valider des faits. Et j'avais été voir un médecin à l'INSEP et on avait essayé de voir, quand on réalisait l'imagerie du processus de guérison, en faisant des échographies, est-ce que les zones, elles diminuaient ou pas. Et on a eu l'impression que sur un sujet, ça diminuait légèrement pendant qu'elle faisait le processus d'imagerie de guérison, comparé au moment 10 minutes avant où il n'y avait pas. Mais on s'est interrogé sur comment on pourrait objectiver ceci, parce qu'on ne savait pas, parce que ça n'a jamais été fait. Et malheureusement, on n'a pas poursuivi par manque de temps. Mais ça serait vraiment quelque chose qui serait très intéressant à faire. Plus de questions. Bonsoir. 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 Alors moi, ce n'est pas une question, c'est ce qu'on a vu ce soir. Moi, je l'ai vécu, j'étais sportif, et j'étais judoka et je me suis blessé 2 fois. Et la première fois, c'était le moins important. Je suis resté pendant 2 mois sans faire de sport. Et j'ai perdu tout ce qui était rapidité. C'est-à-dire que, alors, comme j'étais judoka, on travaillait beaucoup avec la force de l'autre, comment il se déplace. Et c'est vrai qu'après 2 mois, quand j'ai repris le judo, j'étais beaucoup moins rapide. Je ne voyais pas arriver l'action. Et la deuxième fois, ça a été beaucoup plus long. J'ai fait aussi les croisés, hein. On a tous droit. Donc j'ai fait les croisés, je suis resté 6 mois, donc beaucoup plus longtemps, mais par contre je l'ai fait ça. C'est-à-dire j'ai fait des mimes, j'ai continué à travailler sans bouger avec mes jambes, hein, sans bouger tout ce qui est bassin, pour pas bouger le genou, parce que moi c'est au genou, croisé c'est peut-être au genou. Et en fait, ce que j'ai le moins perdu, justement, c'est toute cette rapidité d'exécution lorsque j'avais une ouverture pour faire une attaque. Ça, je l'ai perdu en 2 mois la première fois, et je l'ai beaucoup moins perdu en 6 mois en faisant des simulations mentales. Voilà. Alors là, vous avez une validation en live. Et c'est vrai que quand on fait l'imagerie motrice, j'insiste beaucoup sur l'énergie, les variations de rythme et les temps forts. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup.